Alors bonjour à tous, surtout aujourd'hui pour le défi du mois d'avril, donc de la petite monnaie. Donc je vous le filme, on est le 11 mai, donc vous l'aurez en retard. Voilà, donc du coup, pour ce mois-ci, j'ai mis 44 euros. Donc voilà, hein, donc le premier jour, j'avais mis 1 euro, 2 euros, 1 euro. Deuxième semaine, 1 euro, 1 euro, 2 euros, 2 euros, 1 euro, 2 euros, 1 euro. Troisième semaine, 2 euros, 1 euro, 1 euro, 2 euros, 2 euros, 1 euro, 1 euro. Semaine 4, 1 euro, 1 euro, 2 euros, 1 euro, 2 euros, 2 euros, 2 euros. Semaine 5, 2 euros, 2 euros, 2 euros, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Voilà. Donc, du coup, faut aussi que je vous filme le défi. Comment ça s'appelle? Défi des centimes. Voilà. Et du coup, je sais pas si je fais le défi de la petite monnaie ben, au mois de mai. Donc, je vais vous montrer pour l'instant combien ça fait depuis le début de l'année. Donc, du coup, voilà. J'ai oublié de mettre le euro là, c'est pas grave. Donc, janvier, on avait mis 21 euros. En février, 39 euros. En mars, 48 euros. Et là, en avril, 44 euros. Donc en tout depuis le début de l'année on a mis 152 euros. Donc c'est écrit solde actuel mais on est d'accord que c'est pas le solde actuel parce que quand ça fait 100 euros je le mets sur le compte. Donc du coup pour les 110 euros je pense que je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Bah, j'ai fait comme si je les avais ajoutés au fonds d'urgence. Voilà parce que de toute façon c'est un peu le cas. Donc du coup il y a 110 euros, 1110 euros dans le fonds d'urgence. Voilà. Et du coup, bah, c'est tout. Donc, je verrai si je le fais en mars. Sinon, vous aurez la vidéo, bien entendu. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle aura été très courte. Un peu bâclée, faut l'avouer. Mais bon, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire combien, si vous, vous économisez les petites pièces. Et si, comment vous faisiez, tout simplement. Comment vous faites, plutôt. Donc, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!